sur une saison 3, et la saison 3, là, on est à l'île de Ré, et je suis en compagnie de Charline. Hello, et donc au programme, nous allons d'abord découvrir la boutique PPMC qui se trouve aux 8 rues Jean Jaurès à Saint-Martin-de-Ré. Ensuite, nous allons prendre les vélos et faire une petite balade. Nous allons également vous montrer quelques incontournables à faire sur l'île, à noter pour vos vacances. Allez, c'est parti, suivez-nous. Ça y est, nous y sommes. Je suis à la boutique Papa Piqué Maman Pou en compagnie de Marine. Bonjour. Bonjour Marine. Et donc, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi? Depuis combien de temps tu es chez Papa Piqué Maman Pou? Du coup, moi, je suis arrivée chez Papa Piqué Maman Pou début avril, en même temps qu'ouverture de la boutique à Saint-Martin-de-Ré. Il n'y a pas de tarif. La boutique a ouvert une toute nouvelle boutique. Et du coup, est-ce que tu pourrais éventuellement nous dire si toi tu avais un conseil, un petit article, coup de cœur, s'il y en a un que tu devrais retenir, ce serait lequel? L'idéal pour l'île de Ré, pour moi, ça va être le sac cabas moyen. C'est celui-là que je préfère. C'est vrai qu'il est parfait pour aller à la plage ou pour se balader sur l'île de Ré. Donc il y a une petite patte à l'intérieur qui permet d'accrocher en fait ces petites clés pour pas les perdre. Et après on peut accessoiriser avec pas mal de produits. Donc il est en tissu enduit, il est lavable à la machine à 30. Et en fait l'avantage c'est qu'il est hyper pratique parce qu'il prend pas de place. Donc c'est vrai que c'est vraiment l'indispensable pour moi. Ok, parfait. Donc là c'est vrai que quand on est à l'île de Ré, c'est vraiment propice aux vacances et je pense en effet le sac cabas moyen est juste nickel pour pouvoir partir avec son petit futa, un petit bouquin et puis c'est parti pour la plage. Oui, là, donc tu nous parlais de ce cabas moyen et en fait je vois l'imprimé, on est vraiment dans le thème qu'on s'imagine l'île de Ré, coquillages et crustacés. Est-ce qu'éventuellement il y aurait d'autres produits de cette collection que tu pourrais nous suggérer? Ben oui, déjà on va avoir le petit tote bag juste ici, donc c'est vrai il est parfait. On va avoir la petite sacoche banane idéale pour partir, pour se balader, pour aller au marché. Et après, on va avoir les indispensables. On va avoir le petit étui à lunettes. C'est très sympa avec la petite barrette fleur étoile que tu as par-dessus. Oui, on peut tout à fait adapter en fait en fonction de ses envies. On va avoir le petit sac isotherme, coquillage et crustacé. Donc après, on peut mettre une petite barrette juste dessus. Voilà. Et après on peut rajouter une bandoulière pour le porter à l'épaule. Donc c'est vrai que ça c'est vraiment idéal pour l'île de Ré, pour les pique-niques à la mer. Carrément, moi j'en ai un aussi et j'avoue, manger le midi, on part avec son petit sac isotherme, on a exactement la place qu'il nous faut pour l'emploi du midi, le petit dessert et pique-nique à la plage, c'est parfait. J'ai crustacés et glace. Passage incontournable à la Martinière qui se trouve juste en face du port à Saint-Martin-de-Ré où vous avez un choix incroyable de glaces et de sorbets. Vous avez également une boutique où vous retrouverez des desserts glacés et des macarons glacés dans les rues piétonnes juste derrière. Vraiment, les essayer, c'est les adopter. Nous sommes arrivés à l'atelier Incré où nous allons créer notre propre tampon afin de faire une impression sur tissu et de repartir avec notre tote bag personnalisé. Allons-y! Bonjour! Donc voilà, bienvenue. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Donc je vous présente Lou, la créatrice de l'atelier Incré. Et donc Lou, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce qu'on fait ici dans votre atelier? Alors, je me présente, je m'appelle Lou, donc je suis la créatrice de l'atelier Incré, donc je suis artisan d'art, dominotière, abat-jouriste, donc deux métiers un peu rares.
Donc j'ai créé des tissus imprimés à la planche et du papier imprimé à la planche, et ensuite avec mes propres papiers et du tissu, j'ai créé mes abat-jour de forme traditionnelle ou contemporaine. D'accord, donc en fait là, tout ce qu'on retrouve dans votre atelier, ce sont vos propres créations, oui. Vos propres impressions. Oui, parce que chaque pièce est unique donc dans ces cas-là. D'accord, ouais. Super. Et vous faites aussi des créations du coup sur mesure, on peut vous commander oui, exact. Des abat-jour, oui. Ou je vois là, vous avez un magnifique fauteuil et son oui, coussin, merci. Ça c'est aussi une commande qu'on peut vous faire. Oui, exactement, c'est-à-dire que vous pouvez associer les motifs, les couleurs du décor par rapport au décor de vos intérieurs. Mm-hmm. Donc vous pouvez commander des motifs spécifiques et aussi les formes, dimensions et couleurs d'abat-jour spécifiques dédiées à votre pied de lampe ou votre intérieur. Donc tout est sur mesure, donc tout est possible. Ok. Et donc là aujourd'hui on vient pour un atelier en fait d'impression sur tissu. Oui.